Robert Cugnard, parier de la muraille nauta et forte. Il était une fois une ville qu'on appelait Exideuil. C'était une belle cité, entourée de hautes murailles, avec une moute tour. Mais les gens d'Exideuil, j'en suis, ne sont pas du genre à se laisser impressionner par quelques dizaines de rats, même bien noirs, bien brillants. Non. Ils se disent, nous allons mettre du grain empoisonné. Ça va les tuer. Mais les rats d'Exideuil adorent le poison. Ils s'en régalent. Ils en redemandent. Ça ne marche pas. Alors, les Exideuillais pensent à mettre des pièges. Les rats s'en amusent comme des enfants avec des balançoires. Il va falloir trouver autre chose. Alors, on convoque une grande réunion à la maison des consuls. On parle. Beaucoup. On écoute, pas trop. Alors, on ne décide rien, on parle encore, encore. Et comme il faut bien prendre une décision, les consuls proposent d'offrir un sac rempli de pièces d'or à celui qui délivrera enfin la ville d'Exideuil de ses rats. Alors, des charlatans, il en arrive de partout. Il y en a qui proposent d'arroser les rues avec de l'eau bénite. Il y en a d'autres qui récitent des Notre Père à l'envers. Il vient même un mage du Kurdistan. Rien n'est fait. Les rats sont toujours là, de plus en plus gras, de plus en plus nombreux. Enfin, un matin, par la porte du haut de la ville, arrive un étranger portant une boîte de bois. Bonjour. Bonjour. Que voulais-tu ? Il paraît que vous offrez des pièces d'or à celui qui vous débarrassera de ces bestioles. Ok, Ira. Que vas-tu faire ? Ça, c'est mon affaire. Bye-bye. Composé majoritairement de rats, vous savez les célèbres rats d'Exideuil.